j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft en solo. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de cette petite série. Alors encore une fois je tiens à être honnête avec vous, je vais pas vous mentir, l'épisode 3 sort aujourd'hui quand je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le 14 mars. Donc oui, je n'ai aucun de vos retours. mais au moins, j'ai pas dit que j'allais faire des choses spécifiques ou quoi que ce soit. Au moins, je suis, on va dire, j'ai pas 3 mois de différence pour tourner cette vidéo. Comparé à la dernière fois. Bon, un truc qu'il faudra que je fasse, c'est trouver une vache pour me retirer ce fichu effet de mauvais présage. Car si je veux aller visiter des villages, ça va être difficile. Mais bon, ça c'est pas compliqué. Il suffit que je prenne 3 de fer. Bah tiens, j'en ai 3. Et je me fais un saut. Dites pas que j'ai laissé ça. J'ai laissé ça comme ça sans l'avoir coupé. Mais faut me... Je suis absolument insupportable. Oh. Oh mais c'est pas incroyable ça. Il n'y a pas un seul animal dans le coin. C'est chiant. Pas une poule, pas un mouton. Oh, des vaches, des vaches, des vaches. Wouhou. Et voilà. Disparu. Je trouve ça tellement stylé, ces toutes petites grottes. Il y a un tout petit peu d'eau. Non, c'est vraiment, je trouve ça trop stylé. C'est tout mignon. Bon, par contre, c'est pas qu'on s'en fout, mais j'ai un village à trouver, moi. Oh non, mais encore une forêt. Mais c'est incroyable, ça. Il y en a partout. Oh, mais c'est... Moi, je veux un village, pas des forêts. Quoi? Mais il n'y a pas du tout de village autour de chez moi. Bon, elle est où, ma base, déjà? Bah oui, en plus, il faut que j'aille en bateau, quoi. Toi, tu sors de ma belle maison, voilà, t'es gentil. Non, mais moi aussi je veux sortir, hop, voilà. Tiens, c'est un bug ça ou quoi? Ma barre de bouffe, elle a disparu. Ah, quand on est dans un bateau, la bouffe n'est plus... Non, c'est bizarre. Bon. Un lac de lave au milieu de la forêt et la forêt ne prend pas en feu. Je vais vite partir, moi. Ah, mais il est tout cassé, le jeu. Tout cassé, Mojang. J'ai vu un villageois. Je... Oh, ouais, un golem. Oui. Je suis arrivé. Bien. Donc, nous allons piller tout cela. Bon, déjà, je vais récupérer ça. Comme ça, ça fera déjà ça de bouffe de récupérer si je ne meurs pas sur le retour. Alors ça, normalement, c'est pas... Ouais, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est stylé. Ah oui, c'est stylé, ça. Je récupère. Même si c'est stylé, je récupère. Bonjour, ne faites pas attention. Je viens vous piller. What the fuck? Elle a cassé ta maison. C'est quoi ça? C'est des patates? Non, c'est des carottes. Moi, je veux des patates. Ça, c'est quoi? C'est pas des patates? Du blé, 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 patates. Patates, carottes. Moi, je veux des patates! Patates! Là, je l'ai. C'est tout cassé. What the fuck? Non. Me dites pas que c'est bugué à ce point. Ah bah si. Ouais, ouais, ouais. Vous entendez le bruit? Bien. Bien, bien, bien. D'accord, hein, c'est... Et voilà, voilà, hein, c'est... Et quelle heure? Ouais, il va être midi. Ma vidéo va sortir. Dans une minute. Pourquoi la vidéo, elle sort pas? Bon, bah, je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais trouver ici. Je vais juste récupérer les 3-4 composteurs qui restent dans le village. Et puis, on va continuer de visiter. Merci, monsieur. Hop, deuxième composteur au niveau de notre eau magnifiquement buggée. Et le troisième composteur, voilà. Bon, bonjour à tous. Touk, je récupère ça et je me casse d'ici. Alors, j'ai oublié les coordonnées de ma base. Ah oui, d'ailleurs, merci pour les 47 abonnés. Et parce qu'en fait, là, cette seconde séance, je la tourne, bah, ça se voit, une semaine. Merde. Après la première séquence que vous avez vue. Mais c'est pas là-dedans que j'ai les coordonnées. Ah bah oui. Ok. Donc 188, 116. On va reprendre un morceau de papier. Oui, je les perds, mes morceaux de papier. Hein. Le petit post-it. 188, 116. Ok. One eternity later. Regardez, là j'allume mon ordinateur. Alors déjà là ça frisait. Et là c'est comme si ça avait commencé à charger la barre de tâches sans que là ça la charge. Wow. Regardez, regardez là. What the fuck?
Je crois que j'ai un problème avec mon ordi, là, non ? Je veux pas dire, mais... Allez, du coup. Merde. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Ne pas reproduire. Bon, du coup, je vais mettre à jour mon jeu. On va passer en... ouais, non, on va passer en Relays. Voilà, on va prendre une Relays 1.15.2. Et c'est parti. Ok, ça enregistre. Bien, bah alors c'est parti, on y va. Oui, sauvegarder au cas où. Ok, bon, on se retrouve sur Minecraft à 30 FPS plus ou moins. Ça va, ça a l'air même plus fluide que... Pas que qu'avant, qu'en 1.14. Bah, je vais rentrer à la... Ah, fait chier. À la base, du coup, c'est dans cette direction. Plus... Non, pas F1, F3, voilà. C'est dans cette direction. Bon, bah, je vais m'étaler un peu pour essayer de trouver potentiellement des structures, des forêts, ou peut-être un temple du désert, si je trouve un désert. Et on est d'accord que... C'est encore un bug de Minecraft, toujours et encore. Merci Minecraft. On va se faire un peu de bouffe. Oh la vache! Ah oui, bah ça c'est bien la 1.15. Ça j'avais déjà pu remarquer que la 1.15 avait vraiment un taux de spawn de mobs plutôt élevé. Je crois qu'on l'a bien pu le voir avec les 4 cochons et 4 moutons en même temps. Pas mal, c'est bien. C'est qu'un monde super flat. Ça par contre, ça ressemble beaucoup trop aux océans d'un 1.13. J'ai généré la map à 1.14. Bon, ça doit être moi qui déjante. Non. Ah oui, bah oui, on est sur le bon chemin. Ça, j'avais fait une petite interloupe juste avant par rapport à ça, donc c'est bon. Oui, mais moi, je voulais visiter d'autres coins. Oh, bon. Topi. Là, je suis mort. Je suis mort. Ah oui, c'est vrai, on peut pas récupérer instantanément. C'est chiant! Pourquoi ils ont mis ça à jour? C'était bien. C'était pas réaliste, mais c'était bien. Ah bah oui, en plus, la nuit, elle va tomber. Bien sûr. Sinon, ce serait pas drôle. C'était quel trou? Je trouve pas le trou, non? Ah, là, ok. Bon. Ok, allez, on y va. Attends, dites-moi que c'est juste que je l'ai pas vu. Je vois pas mon gem. Je vois pas mon stuff. Je vois pas mon stuff. Ah si, là il y a l'XP. Allez, dépêche. Tombe. Allez, descends. Et là il y a un... Je sais pas, un truc qui spawn. Ça m'énerverait. J'espère que je... Ouais, bon, ça me paraît pas mal. J'espère avoir tout récupéré. Moi, je vais m'enterrer sous terre. Ouais, bon. Je m'en fous. Allez, hop. 2, 3, 4. Et ben c'est parti pour attendre 10 minutes. C'est qui va s'amuser? Et ben c'est moi. A few moments later. Bon, on est passé au jour 13, donc normal. Ouais, c'est bon, il fait jour. Donc, ok, bon, ça va. Il y a pas l'air d'avoir trop de mobs. Hostile, en tout cas, j'ai envie de dire. Une épave. Je l'avais vu, hein. Si vous demandez, je l'avais vu. Hop, allez, on y va. Hop, touc. Oh bah. La chance. Ouais, d'accord, ok, je croyais que c'était l'autre de ma tête, mais non, ça va. Est-ce que c'est un coffre, ça? Non, c'est pas un coffre, merde. Ah, là! Je l'avais pas vu, cette fois-ci. Ah oui, il faut que je casse au-dessus, oui. Logique. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Vas-y. Problème que quand il pleut, c'est que je ne sais pas si la nuit se rapproche. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? C'est ça. Et bah c'est par là. Et bah c'est par là. Ah bah oui, c'est juste là. Bon. Et sur la carte. D'accord, donc vous allez me dire que j'avais un bateau juste là. Ok, bon. Alors. Oh, oh, oh. Je dois me rapprocher là. La carte est en train de se générer. Bon, ça va, c'était pas trop loin. Ouais, c'est juste. Oh, pourquoi ils ont foutu ça sous l'eau? Sérieusement. Qu'est-ce que c'est? Ça, je m'en fous. Hop, voilà. Donc. Le coffre doit être par là. Heureusement pour moi que j'ai pas les noyés là qui sont avec moi, parce que sinon... Ce serait zo. Quoi, ça donne ici ou là? On va bien voir. On va essayer ici. Oh! Oui! Oh! Oh la vache, tout le stuff. Putain, mon coffre, il est rempli. Oh non, il fait nuit. Oh merde, fait chier. Attends, mais j'ai des lits. Oh, si je me dépêche, peut-être que j'ai moyen de pas faire spawner des lits. Allez, dors. Ah, pas de creeper. Ouh. Le mec qui stresse pour rien. Oh,
Ça me paraît pas mal, on peut y aller. Attends, mais si je pose le bateau, ça me fait gagner un slot. Donc qu'est-ce que je peux... Bon, allez, vas-y pour la gamme Bodor. Donc... Je me souviens plus, est-ce que j'avais réussi à avoir des trucs en diamant dans cette... chez moi ou pas, je sais plus. Mais je vais aller voir, mais il me semble pas que j'ai réussi à avoir... Ouais, mais c'est qu'ils sont nombreux, là. Bon, bah ça va, c'était plutôt sympa. Maintenant, je me retrouve avec 10 diamants... Et une tonne de poules. Nice. Alors attendez les poules. Je vais vous bloquer. Voilà, dégage, nickel. Non, oh, non, 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 non. Ah putain, con. Ok, alors on va légèrement agrandir leur enclos parce que là ils sont un peu restreintes. Oui, allez-y les poules. Bah par contre pour sortir, ça elles veulent bien, mais y aller, voilà, merci. Pour y aller, par contre là elles sont plus là. Oh putain, c'est un élevage intensif des poules, là, c'est... c'est n'importe quoi. Oh, c'est ridicule. Ouais, bon, c'est pas pratique, mais tant pis. Allez, on va se faire de la petite chasse à poules, parce que sinon, là, ça va être un élevage. Ça sera plus une belle petite base sur une petite île. Ok, allez, petite unboxing de poules. Voilà. Ici. Oh putain, mais j'en ai plein. Mais comment t'as réussi à sortir, toi? Oust. Voilà, du balai, merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hein. C'est une vidéo un peu plus chargée que les deux premières, donc c'est plutôt cool, j'aime bien ça, moi. J'espère que ça vous a plu, je ne peux pas mettre les shaders, mais ça, on s'en fout, à la limite. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus sous cette vidéo pour me le faire comprendre. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao !